ça fait maintenant 4 ans qu'une journée de championnat est offerte au Resto du Cœur, soit des places, une partie des places vendues, soit une vente aux enchères de maillots. Et grâce à ces recettes, eh bien, nous pouvons distribuer des dizaines de milliers de repas en plus. Donc un grand merci au président Lorenzetti, à RTL et puis bien sûr au club du Racing. Nous espérons que ça va donner des idées à de nombreux autres clubs en France et un petit peu faire comme ça a pu faire avec le football où on a commencé par un club, deux clubs et où désormais nous sommes partenaires avec la Coupe de la Ligue, que tout le rugby français se mobilise. C'est un très beau coup de projecteur et puis c'est aussi l'occasion de montrer que les sportifs sont solidaires, que la plupart du temps ils savent aussi ouvrir leur cœur et qu'ils savent qu'à côté de leur sport, il y a une société qui vit et qui souffre et ils sont acteurs de cette société. Les rugbymans ont toujours été membres actifs de la vie civile. On voit bien là que le monde du rugby montre tout son enthousiasme et toute sa générosité et on espère que de nombreux clubs, je vous le répète, vont rejoindre le Racing pour nous soutenir.